Ah, c'est Naylor. On se tape tous les viewers, là. Quel mode il joue? J'en ai aucune idée. Terre, ok. Il doit avoir beaucoup de retrait PM. Et bon, il est sur là, donc il sait qu'il faut pas se placer contre les murs. Enfin, qu'il faut se placer contre les murs, plutôt. Parce que ça, tu veux pas le deviner, hein. Tu vois, là c'est un bon placement, on va pas se prendre de free dopu. Bon, de toute façon, il y a sa balise à la con. Qu'est-ce qu'on fait de beau, là? Il joue nébuleux? Ouais, il joue nébuleux. On va faire ça cash, hein. De toute façon, il serait broken. Bon, je pense pas qu'on le tacle, mais on sait jamais. Ouais, peut-être pas, hein. Peut-être qu'on le tacle. Hein. Ouais, c'est quoi cette prévisu? Ah non, il est pas taclé, il est pas taclé. Ok, on est contre un top ladder Kra 1v1. Attends, t'as combien de code toi sur Lofi? Est-ce que tu tryhardes Lofi ou peut-être plus? Ça va, t'as quand même tes top. Top 15 Kra sur Lofi, ça va. Ah, il a compris qu'il fallait éroder, ça c'est big pour lui. Parce qu'il peut pas gagner sans érosion, ça faut bien comprendre. Alors, le meilleur placement c'est d'aller là-bas, mais c'est galère vu que j'ai pas d'abyssal. Bon, on peut juste faire ça en vrai. Il joue en mode mêlée ou pas? J'ai même pas fait gaffe. Ouais, j'aurais pu ne pas home gang maintenant et le garder pour le tour 5, ça aurait été mieux, je pense. Ouais, ça aurait été mieux, tant pis, c'est pas grave. Je pense qu'il peut gagner en spammant l'érosif. C'est la seule chance de gagner, hein, c'est de spammer l'érosif. Mais je sais pas si ça va être assez. Ah ouais, tu restes dans le truc pour se prendre le free dopu en sortie là. Ouais, c'est risqué quand même. Hein. Je suis pas taclé en plus, c'est la belle vie. On avait pas besoin de bouger en fait. Oh le vilain de coco. Bon après il se fait un peu éroder naturellement, mais c'est vrai que je joue pas crépuscule donc faut faire gaffe. Et j'aurais pas dû home gang tour 3, j'aurais dû home gang tour 5. Mais bon c'est ok, c'est ok. On l'aura pour le tour 7. De toute façon ouais, sa seule chance de gagner c'est vraiment double érosif par tour. Et encore je pense qu'après c'est cumulable comme avant ou pas phare. Là il peut mettre que 20% max, pas faire plus hein. Avant tu pouvais en mettre plus non des cumuls je crois. Ok c'est pas mal. Ok, le tour 5, là je suis un peu dans le mal parce qu'il peut nous mettre un vrai gros tour. Il a au nébuleux et j'ai pas home gang. Ok. L'écrasante sûrement. Ouais, ça m'étonne pas. Et on a claqué chevalerie avant, il fallait pas claquer chevalerie avant je pense. Bon, petit tour à vide je pense. Ok. Tu as beaucoup d'esquive PM. Moi, j'ai quand même 73. Hein. C'est serré pour l'instant. On a même deux points de vie. Là, j'ai retour d'Home Gang qui va faire du bien. Ça va nous éviter une grosse pupu du tour 7. Ouh, on esquive bien le retrait. On a de la chance. Enfin, vrai, je sais pas ce coup. Il a pas de retrait, mais je me rends pas compte. Ok, il a bien capté qu'il fallait dans les corners. J'ai 0 reds, ok.
C'est chiant, il va être TP là-bas, mais bon, tant pis. Hein. Il érode de fou. Bah, en vrai, il peut gagner comme ça. Hein. Au jeu de l'érosion, il gagne pour l'instant. Pour moi, il gagne à ce rythme ou pas. 2300 points de vie. Son Dokoko va le soigner de moins en moins, donc ça va être un peu galère pour lui. Là, il va se barrer, c'est pas mal. Pente. Il m'a mis pesanteur là ou pas? J'ai pas vu. Non, il m'a pas pesanteur. Par contre, ça va peut-être lui coûter cher ça. Est-ce que le Home Gang nous fait tanker le poison de l'empoisonné? C'est une bonne question ça. Est-ce qu'on prend 0 ou est-ce qu'on prend les dégâts du poison là? On prend les dégâts du poison, ça va, c'est pas complètement broken. Merde, j'espère que j'ai assez de PO. Ok, ça j'ai pile assez. Ça, c'est big. Ok, 1300 points de vie, ça commence à être galère pour lui. Hein, parce que là, on pourrait quasiment le finir sur un vrai full tour. Parce que là, on se protège à chaque tour, mais on pourrait faire un vrai full tour libé, double lance cyclone, et il serait peut-être mort sur un vrai full tour d'Opu. Par contre, il arrive un tour 9 où il va faire mal, mais on a le shield si on veut. Ok, elle est apesanteur. Donc, elle va se placer correctement. Bah, ouais, son placement. T'aurais peut-être dû mettre ta balise derrière toi ici, je pense. Après, t'as peut-être bien fait parce que. Après, j'ai chevalerie. Est-ce que j'ai assez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que j'ai pile assez si je dis pas de conneries. Hein. Et là, c'est big. Ça, c'est 3 PA. Bon, on va. Est-ce que je joue safe ou est-ce que je bourrine? En vrai, on peut bourriner, je pense. On peut bourriner. Ah, je peux pas parade dans cet état, ok. On va Yourmom la lance. Ça nous donnera plus de résistance, c'est mieux. Non, ça va passer. Là, je vois pas comment il fait. Il nous tuera pas à 3000 points de vie et il lui reste plus que 300. Donc, je vais juste lui mettre un spell de Dodopou et c'est assez. Bon, la map a été plutôt en notre faveur, hein. Je vais pas te mentir, le même crash sur une autre map, c'était peut-être pas free win. C'est tellement dur de se placer pour éviter les deux poux. Ouais, je pense que c'est un bon placement ça. Dans les coins comme ça, c'est pas logique, parce que normalement c'est pas censé être les bons placements pour les deux poux, mais contre Forge Lance, c'est un bon placement en fait ça. Bon, on va quand même pouvoir le choper normalement si je dis pas de conneries. Je sais pas comment je m'y prends. Je peux lui faire des javelines diagonales, ça le tue. Il reste 1 point de vie là, non, 11 points de vie, pardon. Ah, c'est vrai que ce sort-là, on peut pas le faire deux fois, j'ai rien dit, donc je le tue pas forcément comme ça. Bon, on va faire une flamiche, frère. Hein. Flamiche, elle tue pas, c'est quoi cette merde? On va faire ça, c'est fine. Bon, en tout cas, ça change pas grand-chose, il est mort. Putain, là, attends, il a des réfixes ou quoi? Après, je tape. Ah, parce qu'il m'a mis un malus dommage fixe, oui, il m'a mis un malus dommage fixe. J'aurais dû faire autrement, hein. Du coup j'aurais pu le tuer autrement. Hein. Fallait que j'aille dans sa ligne et que je fasse une libée, mais c'est pas grave, ça va rien changer, on va quand même le tuer. Sub SVP. Ah ouais, attends. Je te sub. Bah écoute, on gagne contre un crack qui joue correctement, un crack qui fait l'habitude de faire du 1v1 quoi. Et on gagne quand même relativement largement, mais la map nous a aidé, on va dire ça. La map est en notre faveur.